Eh bien, salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un huitième let's play de Layers of Fear 2 et on termine le jeu dans cette vidéo, l'acte 5, l'acte final, c'est pour tout de suite, forever. Ok, de plus en plus sympa la baraque. Bon, là-haut il nous manque des affiches, hein. Mais on en a quand même une bonne partie. Personnage, ce ne sera pas moi. Quand tu me reverras. Ok, il y a eu une nouvelle diapo normalement. C'est pas celle. Ah, c'est celle-là, je crois. C'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa comme tout. J'ai une envie de continuer là. Il y a quoi dans la salle de bain? Que dalle, c'est juste tout dégueulasse. Ça fait quelque chose si on ouvre les robinets. Il y a du sang, il y a de l'eau. Il y a rien. Ok. C'est comme si on était dans un navire échoué depuis des décennies là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est le 5. Ok, tout va bien. Ah, sympa les rideaux comme ils tanguent. On dirait qu'ils sont vivants. On va monter. Donc là, j'ai pas compris parce qu'il y a rien en fait. Depuis le début du jeu, je pensais devoir collecter des trucs. Peut-être que je suis passé à côté complet. Hein. On va jeter un œil là. Je vais me prendre un screamer en pleine gueule. Ah, il y a quelque chose là. Non? On dirait un chapeau de capitaine. C'est pas évident à voir. Hein. Ah non, une chaussure. Ok. Donc on aura trouvé tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on a trouvé tous les objets qu'il y avait dans la flotte. Les posters, bon là il en manque deux, c'est évident. Non, je crois pas qu'il en manque là. Deux ici, ça fait quatre. Ouais, à mon avis, il va m'en manquer. Quatre posters dans le dernier acte, ça me paraît... chaud. Ok, manque plus que la tête sur le mannequin. Flamme, vérité, devenir, rompre le cycle ici et maintenant, rester dans la boucle à jamais. Qui vit, qui meurt, qui suis-je, bon sang? Lui, elle, lui, elle, lui, elle, lui, elle, nous, barrer, moi. D'accord, ouais, complètement barré, oui, effectivement.
But now that a flame has been lit, he knows there is no other way. Too soon to let go. Too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. Ok. Ah, c'est pas fini. Ouais, bien, bien barré, quoi. Oh, génial, tout le décor, ça va être ça. Cet endroit, je le connais, comme si j'étais déjà venu, et pourtant je suis perdu. Il doit y avoir une issue. Fermé. Do you see now? You tried to fix me. Instead, you broke yourself. J'entends des bruits chelous. J'aime pas ça. Les bonbons pour les bons. C'est des miroirs. Les amers à la mer. Wow. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'était pas là ça tout à l'heure? Je peux pas le tourner là. Non. Il me fout la pression le corps au fond là. J'ai peur qu'il se rapproche en fait. Ah, il se rapproche. Ah, il me fout la chair de poule, ce con. Bon, je crois que j'ai pas le choix, hein. Oh putain. Encore une fois. Ça marche plus. Wow.
You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else answered. Trouver un poster. Youpi. Moi, je me baisse, je suis pas tranquille. Un bouton quelque part. Ah, petit levier. Comment je le sens pas? Ah, ça fait train fantôme, c'est cette foraine, mais celui-là il fait flipper. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ces salles, mais pas avec le bateau dans cet état, quoi. Vas-y, la porte, là, tu me stresses. Je recule un peu quand même. Ah, il me suit du regard, putain. Combien de temps s'est-il écoulé? J'ai complètement oublié, difficile de se souvenir. Je me sens partir, disparaître, et ça continue de grandir, ça me poursuit sans relâche. Ah, sympa. Je peux pas marcher là, je vais cramer. Vraiment pas à l'aise, bordel. J'aime pas du tout ta posture, toi, mec.
Poor little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. An anchor dragging me down. Oh merde. Oh merde. Oh le réflexe. Je referme derrière moi là, c'est... Fait flipper ce con. Bouge pas, t'es gentil. Pas la pression lui quand il te cause hein. Oh, c'est sombré. A life that was never yours. Dreams you had no right to dream. Too scared to be yourself. Too weak to be anyone else. Que des paroles réconfortantes, hein. Ça fait toujours zizir. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux me choper les bols? Alors, on peut pas voir par les vitres, enfin par les hublots. Il y a un truc là. Oh putain, c'est fermé. Oh putain, la scène à la Shining quoi. Non, et ça va les gamins là, c'est
Non, je suis pas véreux, putain. Non, mais regardez-moi ça. L'armoire? On peut ouvrir l'armoire? Non. Oh, les bâtards. La porte, la porte. Oh merde, merde, il y a l'autre. Merde, je suis où? Oh putain. Oh le coup de pression, coup de pression. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Oh putain. J'ai rien vu. Ah là. Attendez. Ça merdouille. Ça change rien avec lui, hein? Oh putain. Bon, elle est où l'issue là? Oh merde! Non, lui on peut pas l'utiliser. Oh putain, d'accord. Ah putain. Je crois que je crains rien. Pardon, autant pour moi. Non, faut toutes les faire. Merde, merde, merde. Oh putain. Allez, passe, passe, passe. Ok. Normal. Notre peinture. Il nous a manqué 4, on en a trouvé 2. Et non, pourquoi tu fais ça toi? Allez. Faut faire combien de tours là? Voilà. Merde.
Ah ouais, d'accord. On va y arriver. Toujours pas. Ok. On va toucher le pactole. An empty shell cannot live forever. C'est quoi le délire? On était un personnage cupide. On a tout ouvert de toute façon. C'est par là-bas? Je pense pas. Hein. Putain. On y voit rien. On y voit peau de zob. Ah. C'était pas là, ça. It cannot live at all. It can only be. Ok. Tout va bien, tranquille. La porte elle est là. C'est des pommes qui flottent. Ok. How many lives have you buried just by merely existing? Existing, but never being. Wouldn't it be better if you just went away? Ok. Est-ce que ça serait la mère des gosses dans le médaillon? Est-ce que c'était une actrice sur le tournage? Je suis les pommes. Je sais pas pourquoi, mais je suis les pommes. Fait des bruits bizarres quand je tourne les robinets. Je sais pas s'il fouillait un peu avant. Troisième poster qu'on trouve, les quatre ils sont peut-être là en fait. Ils sont peut-être dans le dernier acte. Ça serait bon qu'on les trouve tous, ça ferait un petit trophée. Non, il n'y a plus rien de spécial. Allez. La cale est fermée. Ah putain, mais il bouge. Ouais, comme si on était sous l'eau un peu. Ouais, je sens qu'il faut être derrière pour bien voir là. Ok. On peut descendre du coup, c'est ça?
Y'a rien dans ton coffre, c'est de la merde. Un autre coffre, juste là. Ouais. Arrêtez de faire ça, c'est stressant, putain. Ah, dégage-toi. Ah non, je fais pas d'autographe. Merde, merde, merde. Oh, putain, non. Ah, ah, ah. En fait, je pense qu'il faut courir tout le temps. Eh merde. Allez, on court, on s'arrête pas. Mais non, putain. Faites chier. Oh putain. Ah, j'ai palpitant à 100 000, merde. C'est quoi ça? How many times have I tried to put the pieces back together? Just to watch them fall apart. Ok. Faut que je continue de tourner. Non, c'est bon. Dans l'autre sens. Non, non. Putain, faut faire quoi? Faut se barrer? Bon, on va se barrer. On peut pas se barrer. C'est ça qui est bon. Attends, y a pas d'autre issue, hein. Je suis pas fou. Là, y a rien à faire. Tourner la manivelle. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Allez. Oh, ça marche. Ah, c'est des yeux, merde, je croyais que c'était des pommes. L'impression d'être Alice qui saute dans le trou du lapin blanc. Enfin, dans le trou, dans le terrier. Vous m'avez compris, quoi. Elle pue, cette zone. Le son dans les profondeurs se fait de plus en plus fort. Bump, bump, bump. Quelque chose arrive. Eh, vas-y, ta mère. Quand je disais que ça puait. En même temps, il y a des têtes de mannequins empalées de partout.
Enfin, j'ai compris que la sortie était juste ici, en moi, moi, toi, qui es-tu? Beaucoup de questions, hein? Je sais pas, c'est une bonne question. Il y a un corps. Ouais, on se casse. C'est glauque. La musique, elle s'énerve. Oh non, merde. Ah, le délire. On peut rien prendre là. Oh, ça s'est calmé d'un coup. Ça fait bizarre. Ces bruits. Bon. Wow. Trophée obtenu, rénovation complète. Faut regarder, faut faire quelque chose, je sais pas. Il y a une issue derrière apparemment. Je me fais des frayeurs tout seul. Attends, cette bestiole elle revient souvent là. J'aime pas. You build one character, you destroy the other. There's no other way. You act on instinct. You see, you react. It's so easy to pull your strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current, fight against all odds. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to eat! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you! I will...
pas fini, je croyais que c'était terminé, moi. Et ça, c'est le début du jeu, il me semble. Et moi, il me semble que quand le jeu démarre, c'est ce décor-là. Et qu'après, ça part en cahouette. Ce jeu est putain de bien fait quand même. Est-ce qu'on est en train de retourner dans la pièce de départ où on peut voir les films? On n'a pas trouvé la bobine encore d'ailleurs. Je dis des conneries moi. What's past is past, what's gone is gone. The door is shut and the curtain's drawn. The lands that are no longer there. The dreams we did not get to share. When all we love is stripped away. A boy must leave. A man must stay. And yet, there is still hope, you see. But you are still a part of me. Although the boy has ceased to be, where there was I, there shall be we. The holy flame, it burns away. It shows us there's another way. Let us be together forever and ever and ever. What's said is said, it's time to eat. I'm sure you'll find me quite a treat. Dire déjà à la fin j'ai eu du mal à tout comprendre, à tout piger. Donc la gamine est morte sur le bateau, lui a fait une pièce de théâtre avec le gamin, donc il y a le fait de construire un personnage, de tuer l'ancien pour pouvoir incarner un nouveau. Et c'est pas hyper hyper clair quand même hein. le fil conducteur pas trop le rapport avec se faire chasser sur un bateau perpétuellement, machin. C'est un peu spé, hein, comme le premier Layers of Fear, mais le premier, je l'ai trouvé plus clair et surtout, je l'ai trouvé plus flippant. Celui-là, je l'ai trouvé plus beau. Au niveau de la direction artistique, il a un univers et il met dedans. Hein, il y a un côté malaisant tout le long, un peu stressant. Même si t'es chassé par cette bestiole, je sais pas, j'ai plus flippé sur les screamers du premier, je pense,
que sur l'ambiance de celui-ci. Même si quand même il est bon, ça reste un bon jeu. Mais pour une suite, ouais, je m'attendais à mieux quand même. Je crois que j'ai préféré l'univers aussi de la maison hantée à celle du bateau. Du bateau hanté, voilà. Et puis du coup, ça fera un jeu de plus en moins. Et niveau horreur, je pourrais retourner sur Conarium, The Forest également. Et Prey aussi, qui est pas mauvais, qui met un peu la pression quand même, qui a un bon FPS dans l'espace. Dans Let's Play, sinon, je vais vous sortir régulièrement là du The Walking Dead, l'ultime saison. Et Battlefield Hardline aussi, en parallèle de Battlefield 5 que je fais en multi. Et je kiffe bien. Battlefield Hardline, c'est un bon délire, on va dire. Voilà, genre un flic à Miami. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu. Pour les nouveaux, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. On se retrouve dans pas longtemps pour d'autres lives, d'autres let's play. C'était Loul5100, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!